Bonjour et bienvenue dans la 23e saison de Folanta, qui cette saison se déroulera en Zambie. Comme chaque année, deux équipes devront se départager, EPO et Le Foyer, une seule équipe vainqueur. Et n'oubliez pas, ils sont 16, il n'en restera que 8. Après avoir été déposé par l'hélicoptère, chaque équipe arrive sur la plage. Les deux équipes vont se voir attribuer un campement au hasard. EPO a eu le campement de merde, mais c'est pas grave, ils ont l'habitude. Ils prennent rapidement leur marque. Faire une sieste là, ça m'avait plus dit. Les gars, ça a l'air pas mal. Petite maison ici, petit feu là. Je vais me poser tranquille sur mon trône, ok? N'hésitez pas, que moi je vais chercher du poulet. Le foyer, quant à lui, a eu de la chance. J'avais pas signé pour ça, moi. Il est tombé sur une des plus belles plages de Zambie. Cette plage regorge de trésors anciens et de vestiges venus de loin. Oh putain, les gars! Même leur pluie a traversé la Méditerranée! Le très bon réflexe des films qui essaient de faire un feu. Clarisse, je suis presque! Attends, Jade, qu'est-ce que tu fais? J'ai du feu. Pogro a trouvé de quoi se rassasier. Mais apparemment, il préfère le garder pour lui. Après la découverte du campement respectif des deux équipes, la nuit tombe sur la Zambie. Et les équipes s'apprêtent à passer leur première nuit sur l'île. Les aventuriers se réveillent doucement. Cette nuit a été capitale pour la cohésion d'équipe. Ouais, pas mal, hein. Pas dégueu, hein. Ah, mamie Jeannot, pas dégueu, non? Tu peux pas fermer ta gueule? Je suis un expert en feu. Mino, quand j'étais scout, c'était moi le meilleur. Ça me rappelle quand j'étais au centre de formation de Liverpool. À l'époque, je faisais les choses bien. Quand j'étais coach, je savais gérer une équipe. Je pense honnêtement que je vais pouvoir vous gérer, les gars. On peut aller loin ensemble. Personne ne marchera jamais seul dans cette aventure. Personne. Bah, bilan de la première nuit, bon, ça va, on a dormi dans une grotte. Moi j'ai un peu peur en fait de Paul parce qu'il a mangé 200 milliers là hier et je pense que ça va être ricrac. Et j'espère qu'il n'a pas de tendance cannibalisme parce que ça va vraiment faire mal. Ouais, moi c'est pas ça qui me fait le plus peur. C'est le mec là, le blond là. Je crois qu'il a vraiment un problème avec moi et franchement je me sens pas bien avec lui. Mais après j'ai fini la soirée avec Larry, ça a été défoncé, on a rigolé, c'était cool. Au
on va voir ce que l'aventure nous réserve aujourd'hui, quoi. Les gars, il y a un message! Quel est-il, Paul? Je veux dire. Comment elle a fait la première épreuve? Le tapis rouge est de sortie. J'emprunte très bon l'autre. Non, non, ça n'a rien à voir. J'ai vu ça. Mais je suis fou. Moi, j'en ai aucune. Alors, Mulu, c'est la fin. J'ai besoin de réconfort. Les douches me manquent, c'est plus la fête. Et on remarque d'ores et déjà les personnes affaiblies par le manque d'un proche. Heures, quoi, on est sur le camp. Vraiment, je suis pas dans mon élément, ma petite femme me manque terriblement. C'est horrible, sans elle, éloigné d'elle, les jours passent tellement lentement. Je suis fou d'elle, j'en peux plus. Vraiment, je veux... Ah! Mais... Oh, mais c'est elle! Ma femme! Mais comment vas-tu? J'ai dissimulé le petit téléphone pour pouvoir t'appeler de temps en temps. Non. Oui, mais ne t'inquiète pas, j'ai gardé la petite peluche. Je l'aime tellement, je pense à toi tous les jours. Je reviendrai, je te ferai tous tes petits plats, je te ferai plaisir, mon ami. Ne t'inquiète pas. On va vite se retrouver, mais tu me manques tellement. Tiens, pupus, moi je sais pas lire. On a plus. Brouillette, vas-y, toi, tu es intelligent. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Le tapis rouge est de sortie. Vous emprunterez donc l'autre chemin. L'autre chemin. Oh. T'as pas de balle? Non. Là, ça va pas non plus. Ça l'a pas fait. Il ne suffit pas d'être BDS pour organiser une SBS. Bonjour les foyeux. Léo. Bienvenue sur l'épreuve, la mythique épreuve de la boue. Pour cela, c'est très simple, je vais vous expliquer les règles. Je vais appeler un membre de chaque équipe. Pogro pour le foyer, Judou pour OPO. Il faudra simplement se baigner dans un bain de boue et racler son corps, mettre la boue dans un seau. L'équipe qui ramène le plus de boue dans le seau aura gagné. Judou. Pogro, je vais vous demander de sortir des rangs. Ouais.
et Judou qui se jette sans hésiter dans la boue. Il se racle toutes les parties de son corps pour récupérer un maximum de boue et espérer ainsi gagner cette épreuve. Pendant ce temps-là, sur le camp du foyer, Swan, qui s'est dévoué, veut construire avec amour un beau baraquement pour son équipe. Je vais juste appeler un stagiaire là parce qu'en fait il a fait de la merde dans son asso, il a été censé faire des films, je sais pas quoi, organiser des soirées. Ouais. Et du coup il a foutu un foutu, il s'est fait virer comme une merde. JT, viens voir. Ouais, j'arrive. Je vais te montrer comment on fait. Putain, mais il est blanc hein. Ouais. T'as pris les plus beaux hein. Mais bon. Alors. T'es maigre aussi. Donc tiens, donc tu le prends. Comme ça là. Ouais. Et là tu essayes de filmer. Donc, attends, vas-y, je m'en vais, je te laisse faire. Tu sais comment ça marche? C'est moi là. Du coup, il faudrait que je filme comme ça là. Là où tu te vois là? Voilà, exactement. Là, c'est bien. Voilà, comme ça. Bah, je suis bon là, chef. Hein. Je suis bon là. Il est pas mal, lui. Je l'ai. Hein. Bah, il fait n'importe quoi. Là, c'est re-moi là. Swan qui continue malgré tout la construction de l'édifice. De retour à l'épreuve, c'est Pogro qui se lance. Pogro se jette également sans hésiter dans la boue. Mais utilise la fameuse technique des testicules. Les candidats ont fini. Je vais donc procéder à la pesée. Chez vous et réfléchir à qui vous allez voter ce soir. L'équipe du foyer rentre sur le campement et découvre la sublime bâtisse de Swan. Swan ! Il a même foutu un digicode ! Swan ! Alors Mute, on va toujours pas en cours dans notre local aujourd'hui. T'es mauvais, Cross, t'es mauvais. On s'en fout, y'a 50 dindes qui dorment sur les canapes de toute façon. Dis-moi, j'ai une idée d'activité. Dis-moi. On ferait pas un petit week-end de skateboard de merde à Marseille?
Mais ouais, super cher, comme ça y'aura personne qui viendra et on va juste y faire un autre super sage assaut. Y aura peut-être plus de monde que ce miskin. Oh là là, m'en parle pas, j'ai trop hâte de pas l'organiser celui-là encore. Allez, c'est à moi, je la mets à celle-là, hop. Ah oh t'es putain, mauvais, Cross, je rate toujours mes objectifs. Comme tes caisses, elles sont tout le temps vides. Si vous aussi, vous voulez rejoindre une association dans laquelle vous pouvez vous investir, mener des projets de A à Z, concrétiser la vie étudiante à Schema Business School, rejoignez Extrême Intention. Sur le camp du foyer, Swan et Salano passaient du bon temps avec les pommes putes. Ça va, toi? Vous êtes des gourmands. Ah, hein. C'est marrant, t'as deux trucs. Steven Gerrard, il passe par là-bas. Steven. C'est rigolo, hein. Ah, c'est une légende, Steven. Ouais, mais enfin, carrière. 43 782 places en Amphi. C'est où l'Amphi? C'est Merseyside, c'est Merseyside. Mais je t'avoue vraiment, si Steven Gerrard, j'avais coaché. Parce que je suis avec l'année dernière, moi, en fait. Ah, ouais, d'accord. Ouais. Bon, pour cette première soirée, on chanterait pas quelque chose, hein? Moi j'ai appris une chanson la dernière fois. On l'a appris ensemble en plus. On va leur apprendre, je pense. C'est important que vous la connaissiez. Ok les filles, on va apprendre une petite chanson ce soir, d'accord? Oui. C'est bien, alors ça commence. Des putes du sky et du caf, nom de Dieu. Un ballon ovale, les nigos sont heureux. C'est la voyeux baguerasse dans nos pieux. Oh, P.O. les voit peu. Oh, P.O. les nique peu. C'est pas mal ça, bah c'est voilà bien. Ça sera notre champ de guerre maintenant. Vaincu à la mythique épreuve de la boue, vous devez, par conséquent, éliminer l'un d'entre vous. Nous allons donc procéder au vote, dès maintenant. Les putes, allez voter. Je vote pour Bourrier, mais je suis triste. Judou, c'est à vous. Alors moi, je vote Bourrier, j'ai essayé de me toucher les yeux, mais j'aime pas trop. Cruche 1, allez-y. Moi je vote pour Bourrier hein, parce qu'il est trop bête. Fight Club, ouais, elle vous manque, vous pouvez y aller. Bon bah voilà, moi je marche en sentiment et je trouve qu'il est pas assez sérieux. Trop de conneries, moi il me fait du mal. Et ça me fait pas encore penser à ma copine, putain. Hein. Merde quoi. Couche 2, allez-y. Alors moi je décide de voter pour Bourrier parce que... Louis, allez-y. Rebou, vous pouvez aller voter. Je vote pour Bourrier, mange trop et trop gros. Michler, c'est à vous. Moi, j'essaie d'écrire que mon prénom de toute façon. Puis c'est les copains, je veux pas voter contre eux. Hein. Nous y sommes. Vous avez tous voté. Vous êtes tous exprimés. Je vais aller chercher l'urne. Nous allons procéder au dépouillement. Premier bulletin. Bourrier. Deuxième bulletin. Bourrier. Ça fait deux voix contre vous, Bourrier. Bourrier. Louis, il y a trois voix contre vous. Ce vote peut être décisif. Michler, trois voix contre Louis, une voix
bonne voix pour ton cher. Oui, vous avez un petit moment de répit. Cinquième vote, Bourrier. Bourrier, votre équipe a décidé. Vous êtes d'ores et déjà éliminé. Nous allons quand même voir ce qui se passe dans les derniers bulletins. Bourrier. Bourlet. Et enfin le dernier bulletin, Bourrier. Louis, toute votre équipe, à exception d'un des membres, a voté contre vous. Louis, votre équipe l'a décidé. Vous êtes éliminé. Merci de prendre votre sac, votre flambeau, et venez me rejoindre. Leur sentence est irrévocable. C'est mon copain et part, moi je pars. Hein. Falkland n'abandonne pas ses amis. Bien d'accord. Bah moi si les filles restent, je reste. Hein. Fatal Thelma, quand tu rêves de croisière et que t'es à schéma, qu'une chose à faire, gars, m'appelle pas. Me présente le bateau en direct de Sofia. Ça va ou pas? Non, ça va pas. Mec, c'est le malheur, on prend trop l'eau. Bordel, les croisières, on en fera plus gros. Un pied dans le port direct, ça sent la faillite. Les caisses qui se vident toujours de plus en plus vite. Alors écoute, avant qu'il soit trop tard, avant qu'on soit ruiné comme des putains smicards. On n'est pas venu pour faire que du bateau, mais un conseil, matelot, coule pas l'assaut, coule pas l'assaut. Sois prêt à tout pour un euro, supplie Coco. Supplie Coco. Coule pas l'assaut, ouais, coule pas l'assaut. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, même à vélo. Coule pas l'assaut, ouais, coule pas l'assaut. Schéma bateau, schéma losbo. Merci de nous avoir suivis pour cet épisode de Foilanta. Et puis j'espère qu'on se... Oh gros, t'es sérieux là, mon duit ?